Hey, yap tout le monde, c'est Lewizeux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On va découvrir le setup et surtout la chambre de mon frère. La première vidéo vous avait extrêmement plu, elle avait fait je crois plus de 2 millions de vues, c'était incroyable quand il venait juste de revenir de La Réunion. Là mes parents et mon frère ne sont plus dans la gendarmerie, mais dans une maison à part. Donc j'espère que vous êtes prêts les gars, c'est parti. La chambre est juste là. Comment ça va Martin? Ça va et toi? La forme? Ouais. Est-ce que tu peux me présenter ta petite chambre? Bah là j'ai le studio. Le petit studio pour faire ta musique juste là. Parce que toi maintenant Martin t'es plus en mode... Enfin si t'es toujours en mode jeu vidéo mais beaucoup moins. T'es plus en mode musique. Ouais. C'est à dire que tu fais quoi en musique? Je fais des prods. Tu fais des prods? Ouais, comme Inoxtag. Exactement. Et comme Isos. Ouais, comme Isos. Parce que les gars, Isos si tu tombes sur cette vidéo, sache que t'es vraiment le youtubeur préféré de mon frère à chaque fois qu'il vient chez moi. Pendant 3 mois j'ai des recommandations de toi, parce qu'il regarde toutes tes vidéos. Tu regardes même plusieurs fois, ça se trouve. Oui, peut-être. Donc voilà, le petit setup avec double écran. Voilà. Ton petit piano. Il marche pas. Bah, ah, faut allumer le PC, ok. Ah ouais, donc t'avais pas à tout préparer, quoi. Parce que les gars, je lui ai dit ce matin, est-ce que t'es chaud de tourner une vidéo? Il me dit, vas-y, faut que je nettoie tout et que je fasse la poussière. Bah, c'est ce que t'as fait, hein. Ouais. Mais t'as pas allumé le PC. Et là, le PC, ça, enfin, le piano, il marche? C'est un synthé, on dit. Et il est relié, du coup, à ta table son, là. Bah, il est relié au PC, et la carte son, elle est reliée au PC aussi, du coup. Et du coup, ça sort sur les enceintes ouais, que je t'avais achetées pour le brevet. C'est ça, hein? Ouais. Des enceintes Yamaha, voilà. C'est les... Elles sont connues, celles-là. HS7. C'est les quoi? HS7. Donc, t'as tout réglé, avec même les pieds. Ouais. Ça fait stylé, ça fait vraiment genre, t'es ingé son. Tac. Et là, on peut monter le son, là, là. Ouais. Vas-y, fais-moi, tu fais un petit air de piano ou pas? Toi, t'es plus un mec de la guitare, normalement. Ouais. Bah, je peux faire un truc simple, au pire. Vas-y. Quoi? Comment ça, c'est simple, ça? Non, mais ça, c'est le truc que t'apprends quand t'as un piano, quoi. Ah ouais, ouais. C'est trop stylé. C'est Dr. Dre. Ouais. Oh, putain. Mais c'est à l'époque, t'étais même pas né, toi, t'existais même pas, non, t'étais même pas le projet pas. Des parents. Ouais. C'est ça. Ok, Martin, bah, c'est top. Moi, je sais faire ça. Pas loin, j'ai fait une erreur. En vrai, t'es très très bien. Ouais. Ça, c'est quoi un petit... Ah oui, c'est le porte-casque. Donc avec ton petit casque, le DT770 Pro en 250 ohms. Le top pour faire du son. C'est ça. Voilà, quand tu te sers pas des enceintes, parce que je pense ouais. que c'est plus des enceintes quand même que tu te sers. La petite guitare ouais. C'est quoi comme guitare, ça? Une Yamaha aussi. Yamaha aussi. Est-ce que Martin... Oula, attends, je sais pas trop prendre une guitare, ça va comme ça, là? Ouais. Est-ce que tu peux me faire un petit air de guitare? Ouais, mais là, j'ai... En mode, là, c'est l'été, t'es à la plage, t'as un bob, et il y a... C'était pas une blague prévue ça les gars. Attends mais t'inquiète, viens on va se poser là, y'a pas de problème. Ah non, tu veux te mettre sur le lit? Ouais. Un petit air de guitare, t'es à la plage et y'a trois gazelles et tu veux les séduire. C'est propre, c'est fluide, c'est beau. Ouais. Ah non, elle est vraiment... après la réunion. Tu l'as appris la réunion celle-là? Ouais. Incroyable, c'est quoi comme, comme musique? J'avoue que c'est vraiment calme, c'est apaisant. Ouais. Mais c'est quoi le titre? Je sais pas du tout. C'est ton prof là-bas, il t'a dit vas-y, ouais. ça c'est bien pour apprendre. Ok, top. Et ben voilà, petite guitare, petit piano, attends, je me rassois. Qu'est-ce qu'on a d'autre à présenter? Petit poster avec des artistes que t'aimes bien, non? Ouais. Non, c'est pas des posters, c'est plein de photos. C'est des photos que j'ai fait imprimer par internet, que j'ai reçues. Et t'as collé et ça j'ai en collé mode cadre ça, ouais. C'est méga stylé. C'est qui ton préféré là-dedans? PNL, Nino? C'est Tiakola ça? Ouais. C'est qui que tu préfères? Tout le monde. Tout le monde. T'as pas une préférence? Non. Les prods de Niska, avoue, elles sont fortes quand même. Ouais. À l'ancienne. À l'ancienne. À l'ancienne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, un peu de déco avec du Fortnite. Petit clavier de qui? Comme moi. Le micro. Ça, c'était à Noël il y a un an, non? Ou ton anniversaire? Ouais. Non, Noël. Petit micro. Tu chantes dedans ou pas, des fois? Non. 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 Là, ce qui serait bien, je c'est d'avoir guitare. Un... Tu fais une prod, et genre, il y a un rappeur qui vient, et il pose dessus. Ouais. Tu serais chaud? Ouais. Les gars, s'il y a un rappeur qui écoute cette vidéo et qui est chaud de poser sur une prop de Martin...
viens, on organise ça. Tu fais la prod, moi je trouve un rappeur, je trouve un clipper et on fait un clip. Et on met sur ma chaîne. Vas-y. Chaud ? Vas-y. Allez les gars, 50 000 pouces bleus. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le bureau, c'est un bureau quoi ça, Robertin ? Ikea ? C'est un truc gamer, je sais pas quoi. Ok, bureau basique Ikea, avec du coup, l'avantage c'est que le PC, les gars, il est pas posé par terre. Donc il prend beaucoup moins la poussière et c'est top pour le préserver. Le PC, ça va, il tient la route pour ce que tu fais ou ça commence ouais, à être limite ? Ouais, ça va. Non, il est bien, ok. Et en fait, c'est un bureau où t'as aussi un encart comme ça, c'est ça ? Ouais, en gros, ça fait ça. Ouais. Et sur les côtés, tu peux mettre des trucs, là. Ok, trop bien. En tout cas, les gars, j'espère que vous kiffez cette petite ambiance tamisée, ambiance début de soirée. J'adore, moi, en tout cas. Ici, c'est le bordel, on peut le constater. Hein. Là, la Play 4 qui est un petit peu en mode, qui ne sert plus. Urbex. Urbex. Tu joues à quoi en ce moment, Martin ? Rien ? Des fois, c'est au Corsa ou soit pour m'entraîner à conduire. Ah, avec le petit simulateur carrément. Là-bas. Attends. Oh, transition parfaite. Le simulateur. Avec, du coup, mon ancien siège, je crois. Ouais. Les gars, c'est mon tout premier siège là, quand j'avais commencé le simu sur F1 2018 ou 2017. Avec du coup le volant, c'est le G27. Ouais, le G27 avec le G29. Avec évidemment, les gars, on a mis aussi le petit frère dans la team. Voilà, le petit logo BM, le petit levier de vitesse pour jouer en manuel parce que c'est beaucoup mieux. Et le pédalier, juste là. Tout ça, c'est Logitech et c'est pas mal pour apprendre en vrai. Ouais. Et du coup, ça, tu prends ton siège, tu viens le mettre là-bas. Ouais. Et sympa, et ça passe. Je veux avoir la preuve que ça passe parce que. Ouais. Je te crois pas. En train de setup là les gars. Ok. Ça je crois que c'est pas bon pour le parquet. Vu le bruit que j'entends, je pense que le parquet là, il doit pas aimer hein. Est-ce que c'est ton problème ça Martin ? Le parquet ? Non. On est d'accord. Ah t'es quand même obligé d'ouvrir ? Bah en fait des fois tu sais je passe dedans et comme ça après il passe. Ah oui d'accord, c'est vraiment le créneau quoi. Et après. Hop là. Ah ouais d'accord. Ok. Et bah pour le coup c'est plutôt pas mal. Je pensais pas que ça passait, mais nickel. Et du coup là tu joues sur quel écran ? Bah sur celui-là. T'arrives à le mettre en face de toi avec les pieds, non ? Ouais. Non, tu peux pas. Juste des fois ça bug, mais... Ok. Des fois quoi. Ok, trop bien. Donc ça, on peut dire c'est terminé. Le siège, là-bas. C'est un siège IKEA basique. Aussi, ouais, qu'aller avec le bureau. Ok. Ici, petit portant pour mettre notamment tes petits pulls préférés. Ta petite Varsity Locked. D'ailleurs, il reste du XS, les gars, ceux qui veulent, n'hésitez pas. Petit pull Yoko, là. Voilà. Le affaires linge sale. Ouais. Si j'ai bien compris. Là, il y a un autre bureau. Ah oui, c'est vraiment la fête du slip. Deux bureaux. Donc là, c'est un bureau pour l'école. Faire tes devoirs. Ouais. Ok. Ah oui, là, avec la petite lampe. Est-ce qu'on peut avoir un extrait de ce que t'as fait dernièrement en devoir ? Oh là. Bah non, j'ai pas fait mes devoirs encore. Après, là, les gars, on tourne cette vidéo. On est samedi soir. Ouais. Je pense que c'est plus le dimanche soir que tu fais tes devoirs. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir ton agenda, s'il te plaît ? Je veux vérifier ce que t'as à faire. Ah, mais c'est toujours des agendas comme ça ou c'est maintenant, c'est en ligne ? Non, c'est... C'est en U2. C'est les deux ? Ok, qu'est-ce qu'il y a à faire, là ? Donc là, tu vas me faire croire que pour lundi, il y a que ça ? Bon, après, il y a sur le... Ah ouais, parce que là, t'es un menteur. Corriger, CE, crayon, papier. Qu'est-ce que c'est ? Bah, corriger la compréhension écrite de crayon, papier. Ah ouais. Espagnol, pour mardi. Faut s'avancer, c'est important. Eva de description. Oh là, évaluation. Contrôle. Apprendre tout le voc. Ouais, ouais. Tout le vocabulaire. C'est oh putain, je connais les synonymes. Compréhension orale. Oh là. Trois. Écoute. Trois écoutes. Espagnol, quoi. Ah oui, t'écris pas forcément super bien. Hein. Non, mais c'est en écrit. Ouais, c'est pas. Non, mais voilà. Français, finir la. Contraction. C'est quoi la contraction ? C'est contracter un texte. Ah, le résumé ? Ouais, enfin, pas le. Bah, le contracter. Ok. Comme ton biceps ? Non. Vas-y, contracte. Oh ! C'est génétique, on a les mêmes. PC. C'est quoi ça, PC ? Physique-chimie. Petit DS numéro 4, voire correction sur. Pronote. Ok, t'as quelques trucs pour mardi quand même. Hein. Ouais. Lundi ça va, mais pour mardi, aïe aïe aïe. Donc voilà, ça régale. Hop. Ensuite, là je le vois direct. Non, ça là. La petite McLaren que t'avais montée en. Ça avait pris du temps celle-là. Hein. Ouais. Laquelle a pris plus de temps ? Celle-là. Oh oui, putain ! Mais du coup, voilà le résultat, j'avais mis sur Insta. Ouais. Ça c'est. Bah, regarde, hop. Ça c'est une quoi ça déjà ? Ah, c'est la Daytona. Ouais. SP3. Il y a trois paquets en fait. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de pièces, et en plus c'est du Lego technique, donc ça veut dire que c'est un peu compliqué quoi. T'avais la petite Dodge, la petite Ducati, M1000R comme moi, magnifique. Ouais. Là t'as un Dodge. Ouais, Batmobile. Ah non, c'est deux... ah non, c'est la Batmobile et ça c'est le Dodge, ok. Ouais, la petite Porsche aussi ici. Ouais, et là t'avais monté en live. Et la DeLorean, putain, il y en a du Lego. Mais du coup ça te fait une... ça commence à faire vraiment une belle déco quoi. Ouais, voilà. Blic, toi t'es fan de Blic, hein. Ouais. Bah oui, non. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Attends, mais c'est quoi ça ? Montre. C'est ma trottinette en... T'as fait ta... Parce que moi, je t'avais... Parce que toi, t'avais acheté, du coup, la trottinette Xiaomi édition Mercedes, et tu l'as refait en carton. Ouais. C'est que du carton.
Avec du papier aussi, mais c'est fragile. C'est stylé. Voilà, petite trottinette électrique qui régale. T'as vu d'ailleurs la vidéo de Scoot de Street, il a fait la compétition. Non. Championnat du monde de trottinette électrique. J'ai pas vu. Ouais, faudrait que tu regardes. Je vais regarder. Donc là, le petit lit qui est juste là. Est-ce que ça va, tu te cognes pas avec ça ou... Non. Oh, ça tu... va. Un petit peu. Ouais. D'en bas, ils entendent quand je... Ah, quand tu te quand cognes. Je bouge, quoi. Oh merde. Ouais, parce que là, j'avoue que... Après, l'avantage d'avoir le lit, c'est que du coup, tu gagnes vachement de place pour... Parce qu'avant, il était là. Et voilà. Mon bureau, il était vraiment là parce que du coup, il prenait toute la place et il allait jusqu'en haut. Ouais, ouais, c'était pas pratique. Du coup, j'avais toute la place là de perdre. Ouais, ok, je vois. Ensuite, ici. Oh là 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 là. Est-ce que c'est toutes tes paires préférées, ça, Martin? Ouais. Est-ce que tu les as mis dans l'ordre de préférence? Non. Si tu devais les mettre dans l'ordre de préférence, tout en haut, c'est les seules que tu préfères et tout en bas, c'est celles que tu aimes le moins. Ouais. Vas-y. Ok, déjà, les requins, ça dégage. Enfin, les TN. Oh, les Oreos! Que t'avais eu à ton anniv. Ouais. En première place. En deuxième place, les... Up-tempo. Up-tempo. Ensuite, les TN blanches. Ouais. Ensuite, deux paires de Jordan 1. Et ensuite, t'as les Air Force et des Jordan je ne sais quoi. 23. Ok, top. Ah ouais, les gars, ça, c'est les petites paires du ref. T'en as d'autres ou pas? Ouais, des paires de sport, quoi. Ouais. Donc, t'as gardé aussi les boîtes de chaussures. Ouais. Pourquoi t'as trois montres? À la Réunion, j'aimais bien les montres, du coup j'ai acheté des montres. Ok, et tu les as gardées? Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est ma tirelire. Attends, mais il y en a là-dedans. Attends, je vois un billet qui dépasse là, les gars. Attends, mais elle est carrément pleine ta tirelire. Et tu vas t'acheter quoi avec ça? Je sais pas. T'as pas une petite idée? Non. T'économises pas pour une paire de chaussures? Bah, peut-être. C'est quoi la paire de tes rêves là? Travis Scott. Ma Travis Scott? Ouais. Plus cher. Qu'est-ce qu'on a d'autre à présenter dans ton bureau, Martin là? À part ton miroir ici là, qui est tout petit. Tu te vois même pas en entier dedans. Non. C'est juste pour voir ta paire ou ton style, quoi. Non, mais y a rien d'autre, hein. C'est déjà très bien, quand même. Hein. Ouais. On va pas se mytho que t'as quand même une belle chambre. J'avoue que ça fait grand. Hein. Ouais, ça fait stylé. Hein. Moi, tout ce que je voulais à l'époque, quand j'avais ton âge, c'était avoir un PC portable pour jouer à Dofus. Le reste, je m'en foutais. Ok. Ok. Bon, bah les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez un petit pouce bleu, voilà. S'abonner à la chaîne. Très important. Ainsi que la cloche. La cloche de notification. Et un petit commentaire. Et voilà, le petit commentaire qui fait plaisir. On n'oublie pas qu'à 50 000 likes, on organise un vrai clip avec, je trouve, un rappeur. Connu ou pas, je m'en fous. Hein. Et on se fait un truc de fou sur ta prod. Ok. Une vraie prod drill. Toi, t'aimes bien le drill. Voilà, bref, des bisous les gars. Je vous aime très fort. Ciao.